Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Comme chaque samedi, rétro-info des événements de la semaine écoulée. Et avec nous ici sur le plateau pour en parler, à ma droite, Idir Ounouren, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour votre invitation, monsieur Benchou. Merci. À ma gauche, Mohamed Benhamou, président du parti El Karama. Merci d'être avec nous, Mohamed Benhamou. Merci, merci à vous. Merci. À côté de vous, Zoher Ruiz, secrétaire national de Gil Jadid. Zoher Ruiz, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci Zoher. Alors, mes chers amis, les sujets d'aujourd'hui, avant de lancer les titres du jour, nous allons parler donc de la fameuse contribution de M. Hamrouch sur le quotidien Al-Watan. Puis nous parlerons de la lettre, la fameuse lettre, la fuite de la fameuse note de Makhari, Abdelrazak Makhari, au membre du Conseil national du MSP, dont il a dit par la suite que ce n'est pas vrai. Il n'a pas démenti la teneur de la note, mais il a dit ne pas l'avoir envoyée aux membres du Conseil national. Et puis nous parlerons de la convocation du corps électoral par M. Bouteflika, nous dit-on, et on nous dit que c'est lui qui a convoqué le corps électoral. Et nous allons commencer par Adlan Mellah, le journaliste qui est en grève de la faim, dont on nous a dit qu'il a été hospitalisé en urgence, que son état de santé est très critique. Aujourd'hui. Al-Watan, il estime que l'État reste à construire le sévère diagnostic de Mouloud Hamrouch par Hassan Wali. Le soir d'Algérie, dans un document interne, Makhri révèle les dessous de son initiative avortée par M. Hasdine. TSA, convocation du corps électoral et après, par Makhlouf Mahni. Mohamed Benhamou. Oui. Alors, Adlan Mellah, journaliste qui est en prison. Qu'est-ce que vous êtes avocat, je rappelle. Oui, oui. Hein, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Adlan Mellah était un gentil garçon d'abord. Son père, qui est avocat aussi, qui était un ancien ministre, est un ami aussi. Je déplore cette situation, je ne suis pas d'accord. Je souhaiterais que Adlan Mellah sortira de la prison le plus vite possible. Je suis pour que le président de la République intervienne et que le ministre de la Justice intervienne dans cette affaire et que Adlan Mellah retrouvera la liberté le plus tôt possible. Nous sommes entre Algériens, la Constitution elle est claire dans ce sens-là. La presse est libre et Bouteflika, que je salue dans ce contexte précis, a dit qu'on ne peut pas mettre les journalistes en prison. Alors, deux choses. D'abord, pourquoi faites-vous appel au président alors que la justice n'a pas le droit de mettre ce journaliste en prison et qu'elle a procédé d'une violation de la Constitution? Oui. Et pourquoi? Moi, je suis d'accord avec vous en disant qu'il y a une violation, mais c'est ça les dérapages des fois de la justice. La justice, elle est bien, il y a des bons magistrats, mais des fois, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Nous sommes en train de construire un pays de droit et dans cette construction, il y a toujours des défaillances. Et de ce fait, j'appelle avec persistance à ce que ce jeune garçon brillant, Yanni, sortira de prison et retrouvera sa vie familiale et sa presse et son journal. Bien sûr, tout en soulignant qu'il est aussi interdit de dépasser les limites aussi. Mais même s'ils dépassent la limite, ils n'ont pas le droit de le mettre en prison. Je suis d'accord avec vous. Donc pourquoi parler, il ne faut pas dépasser les limites, ça c'est autre chose. Parce que la Constitution interdit de le mettre en prison, leur propre Constitution, ils l'ont violé. Et donc, on devrait s'arrêter là. Moi, je dis encore une fois que la justice, il y a des bons magistrats. La justice, elle est bien faite. Les lois sont bien faites, sauf que des fois, il y a des dérapages. Que voulez-vous? Zoher Ruiz. Vous savez, si nous étions dans un état de droit, il n'y aurait pas de journalistes en prison du fait de leur expression libre ou de leur écrit. Durant le règne de Bouteflika, c'est là que nous avons eu le plus grand nombre de journalistes qui ont été emprisonnés, le plus grand nombre de partis qui sont interdits d'expression libre et le plus grand nombre d'associations et de syndicats qui sont interdits aussi de se créer librement. Donc Adlan Mellah, ça c'est un cas qui est dramatique, qui est scandaleux. Je rappelle aussi que sous le règne de Bouteflika, un journaliste est mort en prison, Mohamed Tamalt, et je voudrais qu'on ne l'oublie jamais, oui. Jamais, jamais, et que ça reste dans le bilan de Abdelaziz Bouteflika.
Et le cas de Adlan Mellah est inquiétant à plus d'un titre. Il souffre, il est malade, il est indûment emprisonné, injustement emprisonné, et donc il doit être libéré. Évidemment, on n'en appelle ni à Bouteflika, ni à quiconque. C'est le droit, simplement le droit, qui doit s'appliquer en la matière, et il doit être libre. Il est en détention, cette détention est illégale. La date de son procès est fixée à quelques jours, mais il doit absolument être libéré. Et j'en appelle à la mobilisation des Algériens, de la corporation, mais de tous les Algériens, et pas uniquement la corporation, pour défendre Adlan Mellah. Et dire ? Je partage le point de vue de Zoher. Donc. D'abord, c'est un cas d'arbitraire flagrant. Il a été en grève de la faim, donc son état de santé probablement s'est détérioré. Et je ne rejoins pas tout à fait M. Benhamou quand il dit... c'est très louable ce qu'il a dit, M. Benhamou, ah oui. Appeler le président de la République à libérer M. Là, je rebondis sur ce qu'a dit M. Ruiz, c'est que le droit doit s'appliquer. On ne peut pas mettre un journaliste en prison, même s'il y a diffamation. Il y a des journalistes, je parle sous le contrôle de maître, Benhamou. Ça ne peut pas justifier d'une mise en détention. Ce n'est pas possible, on marche sur la tête. C'est tous ces événements-là. Et puis, depuis longtemps, le pouvoir se restructure de manière autoritaire. Ils veulent faire cas d'exemple. Il y a eu le cas de M. Talmat, là, Yerhmou. Ça, on ne doit pas oublier non plus. Moi, je me demande ce que les journalistes, actuellement, quelle que soit leur obédience philosophique, politique, pour qui travaillent-ils ou pas, mais d'être devant un cas de justice inique, de pouvoir se prononcer et de se dire non, plus jamais ça. Et comment expliquez-vous cette absence de solidarité de la corporation ? Moi, j'ai eu à appeler ici, sur les plateaux d'Al-Maghribia, pour que les plumes algériennes puissent d'abord se réunir et prendre position sur l'avenir du pays. C'est déjà ça. C'est une manière de remobiliser les populations algériennes autour de la politique, autour des élus, alors qu'on sait tous que le fossé est immense, pour redonner un peu d'espoir. Mais cette histoire de M. Adlan Mellah, elle ne peut pas se régler uniquement par le syndicat des journalistes ou par la corporation, mais comme l'a dit justement M. Louis, par une mobilisation générale. Plus jamais ça. Nous devons être un état de droit et les différends qui doivent nous opposer en tant que citoyens doivent être réglés uniquement par le droit. Il y a d'autres cas, le cas de Ben Aoum, le cas de... Moi je pense au cas de M. Merzouk Touati. Comment pouvez-vous un petit jeune de Béjaïa qui était en train de correspondre avec, derrière un écran avec un pseudo-diplomate israélien, un échange de points de vue, une interview, alors qu'un député de la circonscription d'Al-Harach a été surpris en flagrant délit de remettre des documents, peut-être pas de première importance, à des agents d'une ambassade. Et il a écopé de 50 prisons. – Wild Khaddour, PDG de Sonatrach, a été accusé de haute trahison. Il n'a même pas fait sa peine, il a été libéré. – Il y a un moment, il faut que cela cesse. Oui, tout simplement. S'il vous plaît, moi je voudrais qu'on mette ça sur le compte qu'on est en train de construire cet état de droit. Et quand on construit, on peut avoir... Comment on construit un état de droit ? Ça veut dire qu'on va du pire vers le meilleur, pas l'inverse. Non. Je regrette, on n'est pas en train de construire un état de droit, on est en train de démolir un pays. Et si on voulait construire un état de droit, ils ont eu 20 ans, ne serait-ce que Bouteflika, il a eu 20 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il a annulé toutes les libertés existantes. Il n'est pas légitime. Monsieur Zohir, moi je vous fais rappeler une chose, qu'on a fait beaucoup d'avancées merveilleuses en matière de droit. La liberté d'expression chez les hommes politiques, votre corporation, elle est libre. Monsieur Gialli, nous prenons des coups dans la rue. Non, je regrette, monsieur Gialli Sifiane est libre de dire, d'ailleurs je vais plus loin. Mais il se fait ramasser à chaque fois qu'il est dans la rue. Vous savez ce qu'il a dit, Bouteflika ? Il aura dit, même ceux qui m'insultent, même ceux qui me diffament, il ne faudrait pas les poursuivre. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse quand il y a des fois un juge, qui, je ne sais pas, veut faire trop de zèle, ou là, même là, on lui a donné un coup de fil. Rien du tout. Je vous assure, je suis avocat. Je vous assure qu'on ne reçoit pas de coup de fil. Le ministre de la Justice n'appelle pas les magistrats pour leur dire « mettez flène ou la flène en prison ». C'est les magistrats, des fois, des magistrats qui, par excès de zèle, ou là, ils ont même chalf. Je vous assure, en tant qu'avocat. C'est des magistrats chiatines ? Comment ? C'est des magistrats chiatines ? Non, pas dans ce sens-là. C'est des êtres humains comme nous qui peuvent avoir des faiblesses, pas plus. Mais je vous assure, c'est injuste de mettre ça sur des magistrats. Non, je vous assure que nous avons de très bons magistrats. Les lois, elles sont magnifiques, mais il faut donner le temps au temps, c'est tout.
Moi, je mets ça sur le camp. Combien de temps? Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Encore une décennie. Vous ne pouvez pas nier, ou alors vous êtes complètement dans un déni de réalité, d'accord, en disant que la justice n'est pas instrumentalisée. Dans des cas assez précis, dans des cas politiques. Je ne pense pas, monsieur. Est-ce que ce n'est pas lié aussi? Non, moi, je vous le dis de manière fraternelle, à la limite. Oui, oui, hein. Mais vous ne pouvez pas expliquer... Ceci n'explique pas cela. Moi, je comprends ce que vous voulez dire. Mais je vous dis une chose, c'est que ce n'est pas des éléments qui sont recevables. Wallahi, je suis avocat depuis maintenant près de 30 ans, un peu plus. Et je pratique les tribunaux algériens, je vous assure. Que la justice n'est pas instrumentalisée, comme vous dites. Personnel de quelques-uns. Mais... Par exemple, l'affaire Ould Kaddour, c'est le juge qui l'a mis en prison tout seul, et c'est un autre juge qui l'a libéré tout seul. Vous savez. D'après vous. On va encore chercher plus loin, vous voulez des poux, on va chercher encore plus loin les généraux qui ont été mis en prison. Par exemple, mettez ça sur le compte de la construction de cet État jeune Algérie de droit. Allez, on va faire ça. Et on va passer au sujet suivant. D'accord. Je rappelle que M. Ben Hammou, pour venir au top 3 d'aujourd'hui, nous a dit, il a dit à Hussein, Donc, pas autour du pot. Allez, D'ailleurs, je suis avec d'excellents, mashallah, magnifique. Allez, fi khatar Ben Hammoud, tala'u nevo liyoub, hana nevo ta'ana mouli tkarkar. Allez, mashallah. Alors, la contribution de M. Hamrouche, journal Louatan. M. Hamrouche, qui généralement n'intervient quasiment que tous les 5 ans à la veille des présidentielles, mais cette fois-ci, il semble avoir dit des choses. Il nous a laissé comprendre, par exemple, qu'il y a de l'eau dans le gaz de l'armée. Il nous a laissé comprendre qu'il se passe des choses. Et il nous a laissé comprendre que la situation est grave. Et certains ont même compris qu'il avait une offre de service. C'est-à-dire qu'il est disponible pour une éventuelle transition si elle est réellement dans le bon sens. D'après ce qu'il... Vous voulez qu'on ouvre l'appétit? Oui, allez-y. Hamrouche est un moujahid d'abord, et est un fils de shahid. D'accord. Donc, et il a fait beaucoup de réformes dans les quantités premier ministre, ou chef du gouvernement. Oui. C'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Il peut être candidat potentiel. Comme vous avez dit, M. Mouchnouf, je rejoins votre idée, il peut être candidat d'un certain clan. Et il peut être un jour, c'est-à-dire il peut être candidat de la transition et tout ce que vous voulez. Donc il n'est pas exclu. Monsieur Hamrouche, sa venue, ses lettres, le khor, c'est pas fortuit. Non, c'est un monsieur à prendre au sérieux. Tout ce que je peux dire. Zohair. Bon, la sortie de Mouloud Hamrouche, en gros, ce qu'il dit n'est pas nouveau. On le savait déjà, c'est tout ce que vous avez dit, il y a de l'eau dans le gaz, ici et là, ils ne sont pas d'accord entre eux et tout. Néanmoins, une fois n'est pas coutume, Hamrouche ne s'adresse pas à la population. Exact. Il nous a fait un texte, il s'adresse à des personnes bien précises au sein mais du régime. À qui il s'adresse, justement? C'est une très bonne question que vous soulevez, parce que si c'est au régime lui-même, au décideur, il a d'autres canaux pour le faire, il ne passe pas par un journal. Si c'est à la population, à l'opinion publique, ce n'est pas le cas. Quand on regarde la teneur et les termes utilisés, où il nous parle de choses absolument... à qui il s'adresse? C'est une façon de prendre à témoin et l'étranger et la population, même s'il ne s'adresse pas à la population, mais toute sa missive s'adresse en réalité au régime, s'adresse au tenant de ce pouvoir. C'est une offre de service déguisée, très clairement. Maintenant... qui peut penser que Mouloud Hamrouche peut avoir une connaissance fine du terrain, lui qui est absent et qui revient chaque quinquennat? Ça n'empêche pas d'être là en observateur. Peut observer, mais je doute qu'il connaisse aussi bien l'Algérie d'aujourd'hui telle qu'il l'a connue par le passé et telle qu'elle est aujourd'hui. J'en doute fort. J'imagine qu'il doit la connaître beaucoup mieux que le citoyen lambda, lui, qui doit être connecté à des cercles, à des cercles de décision. Oui, mais l'Algérie réelle, ce n'est pas les intrigues de palais, ce n'est pas les fantômes. Oui. L'Algérie réelle, c'est ce qui se passe dans la population. Mais dans la population, il ne se passe rien. Il faut aller les voir, les gens. Dans la population. Non, mais savoir ce qu'ils veulent. Ce qui se passe, c'est au niveau des cercles d'initiés, décideurs. Mais ça, c'est le sérail algérois, oui, si je puis dire. Oui. Ce qui se passe, c'est la population, ce qu'elle veut. Pourquoi elle ne se mobilise pas,
ce qui se passe réellement, quels ont été les traumatismes, savoir réellement quels sont les inducteurs qui peuvent faire bouger cette société. Ce n'est pas en restant à Alger et en écrivant une missive tous les 5 ans. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mouloud Hamroche, mais je trouve que cette façon de faire, d'apparaître tous les 5 ans un peu comme le Mehdi al-Muntadhar, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Soit on est sur le terrain et on se bat sur le terrain tous les jours pour défendre les libertés, ceux qui sont privés de leur liberté. On parlait de Adlan Mellah. Et donc on est là en action, ou alors on est chez soi et on intervient tous les 5 ans. Lui a dit de façon forte que ce régime ne peut changer que de l'intérieur. Il a dit comme ça. Hein. C'est sa vision. Il y en a d'autres qui croient que le changement ne peut venir que de l'intérieur, alors qu'il faut une vraie rupture avec ce régime et se débarrasser de ce régime et ne pas chercher à être dedans pour essayer de le faire changer. On voit bien que ça fait plus de 50 ans que ce sont les mêmes qui se renouvellent à l'intérieur de ce régime. Qui se régénèrent, absolument. D'autres ont essayé. Mouloud Hamroche a essayé, mais il n'a pas pu, puisque... Il est resté finalement en dehors depuis qu'il a quitté la chefferie du gouvernement. Mais il avait bien essayé. Vous voulez répondre ? Oui, moi je rejoins M. Zohel donc, quand il dit que c'est vrai, M. Hamrouch est peut-être en dehors de cette vision de la jeunesse. La jeunesse ne le connaît pas, cette jeunesse de tous les jours, les problèmes de tous les jours. M. Zohel est très jeune, donc il a raison dans ce sens-là. Mais néanmoins, M. Hamrouch, à l'aval du FFS par exemple, à l'aval des islamistes, et à l'aval d'un clan. Comment ça, il a l'aval des islamistes et du FFS? Oui. À un certain moment. Même jusqu'à présent. Mais pas des islamistes, en tout cas. Moi, je vous dis une chose, si maintenant Hamrouch est candidat, beaucoup de ce que je viens de citer iront avec lui et le cautionneront. Je dirais ce qu'il a dit M. Zohir. C'est vrai que M. Hamrouch disparaît, il revient, mais... Je ne dirais pas qu'il offre ses services, c'est un peu gênant, mais je dirais que c'est un réformateur et on peut en avoir besoin pour une transition. Edir. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire d'abord une petite remarque, ce n'est pas une attaque sur M. Benhamou, mais moi je suis stupéfait, M. Benhamou, que vous, en tant que président d'un parti politique, en tant que soutien au président de la République, vous puissiez dire comme ça, oui, M. Hamrouch, et peut-être le candidat d'un clan. Donc, pour vous, la démocratie, la souveraineté populaire, le vote, pour vous, ça n'existe pas. C'est ce moule-là qu'il faut déconstruire, M. Benhamou. On ne peut pas dire que c'est encore des clans. Et la rupture dont parlent les forces patriotiques du pays et les forces progressistes du pays, c'est de couper tous les liens organiques des gens, un peu comme vous, dans l'appareil de l'État, et qui... calculent leurs coûts avec des alliances tactiques, claniques, objectifs limités, sans tenir compte des aspirations des populations et du pays. Ça, c'est le premier élément. Et ça, je suis vraiment désolé, M. Benhamou, de le dire. C'est pas possible qu'un homme comme vous, avocat de profession, puisse tomber dans ce paradigme de... c'est finalement dans la doxa populaire. C'est les clans. Le clan contre ce clan. Ça peut plus marcher. Mais Edir, et c'est une réalité. C'est pas que je sois du côté de Benhamou, mais on sait très bien que c'est ça la vérité. Il n'y a pas de vote. Le vote n'est qu'une façade. Oui. Président qui est élu, il est toujours désigné, n'est jamais élu. C'est comment peut-on changer ça, justement? Moi, je pose la question de telle manière à ce que dit M. Louis. Finalement, c'est quoi? C'est la souveraineté populaire à partir du moment où on rentre dans un état de droit très cher à votre pensée. Oui. Concernant M. Hamrouch, c'est vrai que c'est quelqu'un qui intervient de manière cyclique pour des grosses crises à l'intérieur du système, on ne l'a pas souvent entendu. Il a été très... Il a fait 1, 2, 3 interventions sur la 7-8 ans, une sur la nation, une sur l'identité du peuple algérien, qui était très pertinente à mon sens. Et là, quand il parle d'État et de nation, la refondation de l'État-nation, le drame pour nous en tant qu'Algériens, c'est quoi? C'est que l'armée a été construite avant l'État. Oui. Et c'est ça le drame. Historiquement, c'est ça le drame des Algériens. Concernant... Comme vous dites, l'armée a été construite avant l'État. Oui. Parce qu'il y a un État dans ce pays. Non, je parle d'un État formel. Là où nous avons un État formel. C'est un régime, ce n'est pas un État. Non, un État formel. C'est un système, à la limite. Non, le système sert à faire fonctionner l'État. Mais ça dépend de quel système on parle. Il y a la problématique du système des clans et des alliances et que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions. Là, on est entièrement d'accord. Moi, je suis désolé d'être un peu, de pinailler un peu sur ces notions. Mais quand on dit État, c'est un peu comme les gens qui disent c'est une notion il faut une deuxième République.
ceux qui disent qu'il faut une deuxième république. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a eu une première république. N'est-ce pas? Quand ils disent à l'État, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a un État dans ce pays. Ce n'est pas le cas. Non, il n'y a jamais eu l'État. Il y a un système de gouvernance mafieux et mafiocrate. Là, je suis d'accord avec vous. Et on ne doit pas dire État, parce que là, c'est insulter le peuple algérien, qui est opprimé, qui est pris en otage. Je m'excuse de sortir un peu de mon rôle de journaliste, mais... C'est une histoire, oui, je vais vous donner la parole. C'est une histoire de concept. L'État, c'est quoi? La nation, c'est quoi? C'est des considérations, à la limite, idéologiques. Quel État il faut? Quelle est la nation et quel est l'État qu'on met en place pour que toute la nation puisse vivre ensemble? Là, je suis d'accord avec vous. Quand vous parlez de Deuxième République et de Première République, c'est vrai que c'est des effets d'annonce. Moi, je ne parle pas de Deuxième République. Je parle d'un ordre juridique nouveau pour le pays, voilà. C'est-à-dire de la réforme et de la refonte de la nation et de l'État à la fois. Pour l'avènement d'une Première République. Je vous l'accorde, monsieur Bettinoff. Voilà. J'y tiens. Très bien. Alors, allez-y, mais très rapidement. Juste pour dire que, pour revenir à Mouloud Hamrouch, ça n'enlève rien à ses qualités intellectuelles, évidemment, de tout ce qu'on dit là. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'est pas sur le terrain, qu'il se passe beaucoup de choses. Je rappelle que Mouloud Hamrouch, et ce n'est vraiment pas pour être désagréable, il a 75 ans. Oui. Abdelaziz Bouteflika en a 79. Oui. C'est la même génération. C'est une génération qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas les Algériens. 70% des Algériens ont moins de 30 ans. Que peut nous dire Mouloud Hamrouch sur cette jeunesse qui part, etc. Donc, il faut sortir, il faut changer de paradigme, il faut sortir de cette notion du Messie qu'on attend, le Sauveur, mais qui est toujours... Et qui vient toujours des mêmes ancrages. C'est exactement, vous venez de l'enlever. Que Hamrouch est un ancien officier de l'armée. Vous venez de me l'enlever. Ah, et qui viennent tous ces gens auxquels on accorde du crédit subitement, ils viennent tous du même moule, ils viennent tous de ce régime-là, alors que l'Algérie a enfanté d'autres compétences après l'indépendance, pendant la guerre de libération, peu importe. Mais il y a d'autres figures, d'autres hommes et d'autres femmes de compétences et qu'on ne laisse pas émerger. Pourquoi ? Parce que nous avons l'autoritarisme de M. Bouteflika depuis 20 ans, qui ne laisse pas les gens s'exprimer. J'observe aussi, concernant M. Hamrouch, il n'a pas varié, parce que cette offre de service déguisée, telle qu'elle a été présentée par certains analystes et certains commentateurs de la presse, rappelez-vous la phrase qu'il a dite, « Je ne me présenterai jamais si un candidat de l'armée ». Là, c'est la même chose qu'il dit. Il peut être un recours, mais un recours non pas d'un clan, mais de l'état-major. Faites attention. Mais M. Idir et M. Zoyed, pour qu'on soit pragmatique, comme il a dit M. Chenouf, est réaliste. L'État, il existe, pour moi. L'État algérien existe. L'armée algérienne, elle existe. Elle a existé avant l'État. L'armée existe. Et d'ailleurs, heureusement que l'armée existe, parce qu'elle est la garante de notre sécurité. Ouais. Que je salue cette armée, très chère à nous. Heureusement qu'il y a cette armée. Elle est là, elle défend nos frontières. Et elle nous donne une certaine sérénité. L'Algérie, que Bouteflika avait dit un jour, sereine et forte, elle existe, l'Algérie sereine et forte. C'est mon point de vue. Maintenant, pour clore avec le volet Hamrouch, ça ne veut pas dire que c'est Hamrouch le candidat que Mangoulou dit divin ou je ne sais pas, mais moi je dirais que, pour ouvrir le débat, exactement, Bouteflika, il a encore 44 jours pour dire s'il est candidat ou pas, c'est-à-dire depuis hier 45 jours. Pardon, je ne suis pas sûr qu'il puisse le dire. Hein. Est-ce que c'est lui qui va nous dire? Oui, on le dira. C'est en général, M. Benchenouf, je vous l'ai dit un jour, vous avez dit, Bouteflika ne parle pas à la population, je lui dis, non, on parle à sa place. Il va nous dire à travers écoutez, vous, alors. Non, pas à travers moi. Voilà, à travers vous savez, ce serait du régionalisme. Même Macron, il réagit avec la population, parfois par des lettres, c'est vrai que Macron écrit des lettres. Des tweets. Donc, on est qu'on ne sont pas arrivés encore aux tweets, mais c'est de qui m'a dit Bayan Reas le Jemmouri. Non, mais c'est pas ça le chaud. C'est surréaliste. Bouteflika, il a encore, le président Bouteflika, à 44 jours. Il nous a dit un jour, il nous a dit que monsieur. Quel était le président américain qui était sur un fauteuil? Roosevelt. Eisenhower.
Roosevelt, je crois. Roosevelt. D'accord. Que vous nous avez dit qu'il était, lui, sur un fauteuil roulant, comme Bouteflika. Alors, écoutez-moi. Et aujourd'hui, écoutez-moi. Donc, Bouteflika n'a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. Et donc, il a appelé le 18, ça sera les élections présidentielles. C'est là, je vous rappelle que le 18, c'est la journée du Shahid. Donc, le 18, s'il sera candidat ou pas, il a encore devant lui du temps, 45 jours, 44 jours. Donc, ça, c'est d'un. S'il est candidat, je peux vous garantir d'ici, nous sommes le 19 janvier 2019. S'il sera candidat, il sera président, il sera élu président, yani par le suffrage, par les urnes. Attendez. Non, je ne peux pas laisser passer ça. D'accord. Déjà, comment s'il est candidat s'il est candidat, il sera président. Il sera président. Je vous remercie, M. Benhamou, d'être aussi franc. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Voilà. Je ne peux pas être plus franc. Oui. Est plus réaliste oui. que le peuple algérien. C'est le peuple qui le veut. Parce que, monsieur Idir, si ce peuple algérien n'a pas voulu de Bouteflika, c'est lui qu'il fera sortir. Est-ce que vous avez vu le peuple algérien aller dans les rues algériennes, dans les rues de la capitale? Le peuple algérien vous dit, Asma, je vous dis, le peuple algérien. Le peuple algérien, l'Algérie profonde, hein, oui. Je ne parle pas des 108 heures ou des 100 adhérents ou la Mancharf ou des internautes, ou des milliers d'internautes, je ne parle pas de ça. Je parle de l'Algérie profonde, nous sommes 40 millions. L'Algérie profonde trouve son compte avec Bouteflika. Elle est à l'aise, cette jeunesse qui trouve Tekra Battle, Dewi Battle, Tsken Battle, Taharg Battle, Harraga Battle. Alors, Harraga, c'est un autre volet. Alors, je termine en disant Bouteflika, s'il est candidat, donc il n'a pas encore dit, donc ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas encore dit. Il n'a son droit. Asma, s'il est candidat, Asma, je vous accorde. Asma, s'il est candidat, donc moi je vous dirai, s'il est candidat, même les partis qui le soutiennent, juste les gens à qui on a donné des appartements, et l'ANEM, la jeunesse de l'ANEM, de l'ancien, Rihad aussi vote pour lui, il passera avec au moins 3 millions yani de voix. Vous reconnaissez qu'il a acheté une clientèle alors, non, qu'il n'a pas fait pour le bien du pays. Esma, monsieur Idir, et là j'ouvre une parenthèse, je vous assure, vous allez regretter un jour Bouteflika, parce qu'aucun président, ni l'Iram Djayin, Starfellah, je ne connais pas l'avenir, mais l'Ifatou ne pourra faire ce qu'a fait Bouteflika, surtout avec la majorité. Surtout avec. Mais qu'est-ce que je veux dire? Yani, l'Ukan Manishalf, Belek, Issu Manishalf, de Tixi Manishalf, li, Esma, il dit Yanaïr, yani, journée qui m'a dit nationale, ou il dit la majorité, Esma, la majorité. Ce qu'il a fait Bouteflika pour les Amazirs, l'histoire le retient. Il les a insultés. Parce que Wahdakhol Meidirhaj n'aura pas le courage. Alors je reviens, je reviens dire une chose. Alors, à ce moment-là, je dirais si les candidats, Makesh Mouchke, si maintenant il décline l'appel du peuple, ou l'appel de ceux qui l'entourent, ou des partis politiques, et il ne veut pas être candidat, la salle d'attente, elle est pleine, mon cher ami. Pleine de lièvres. Non, pas de lièvres, de gens valables et capables. Je vous en citerai quelques-uns. Smatli, d'intellect, tout ça. Je vous en citerai Ahmedou Yahia. Smatli, je vous en citerai Sellal, je vous citerai Belkhadem, je vous en citerai Kima Kalke. Smatli, non, honnêtement, c'est des gens. Ammar Ghul. Je vous citerai Smatli. Saïdani. Non, des gens, moi je parle, il y a des candidats potentiels. Ahmedou Yahia a toujours voulu un jour être président. Et Smatli, soit. D'ailleurs, je pense qu'il va sortir du gouvernement pour se préparer, peut-être. Si Bouteflika s'il n'est pas candidat. Mmh. Et d'ailleurs, moi je dirais que bientôt, la semaine prochaine, ou la deuxième semaine, le quartier général, yani, tout le monde rejoindra le quartier général, tous les anciens premiers ministres, Tebboune, Sellal, reviennent pour faire la campagne. Et je dirais aussi qu'il y a d'autres candidats. Je termine. Il y a d'autres candidats. Donc j'avais dit Ouyahia, Tebboune, et je dirais c'est aussi. C'est marginal. Il y a aussi Lhamel qui est un candidat potentiel. Pourquoi pas Lhamel. Pourquoi et pas vous, et vous oui. Vous oui. Pourquoi vous n'êtes pas candidat? Non, moi, cette fois-ci, je ne suis pas candidat. Pourquoi pour la simple raison. J'en ai fait une première tentative. J'ai mis une expérience. C'est trop dur. Je crois qu'il y a des gens. Non, il y a des gens. Grande perte pour les gens. Non, il y a des gens. Non, je regrette. Il y a des gens qui sont plus, je crois, plus qualifiés. Plus prêt, pas qualifié, mais je disais plus prêt pour. Monsieur Benchenouf. Oui.
C'est pour répondre à M. Belhamoud. Rapidement, parce que devant aller... Non, je suis obligé, je ne peux pas laisser passer ça. Allons-y. Parce que je suis un mazir. Oui. Moi, je n'ai pas attendu M. Bouteflika pour fêter Neyer, Monsieur Belhamoud. Oui. Je n'ai pas attendu M. Bouteflika pour me sentir berbère et kabyle, oui. M. Belhamoud. Je n'ai pas attendu M. Bouteflika pour me respirer, me deviner en tant que berbère, M. Belhamoud. Donc je n'ai rien à attendre. Il y a eu quelques reconnaissances. Et ça, c'est dû au combat de générations et de générations de militants. Évidemment. Moi, je tiens pour responsable, monsieur Bouteflika, des 127 morts du printemps noir. Ce compte n'a pas été soldé par les Amazirs et particulièrement les Kabyles. Il n'a été soldé ni politiquement ni humainement. Alors, c'est comme si nous étions, excusez-moi, monsieur Bouteflika, sans terre ni territoire, sans langue ni culture, abandonnés au destin du plus fort, le sien. Ce n'est pas possible, M. Belhamoud. Vous touchez quelque chose, je ne peux pas vous laisser passer ça. Nous avons peut-être une reconnaissance en tant qu'Amazir de manière générique, de jure, c'est-à-dire par le droit, mais nous n'avons pas de reconnaissance de facto. Et ça, je ne peux pas dire que c'est à l'actif de M. Bouteflika. Et M. Bouteflika sera comptable devant l'histoire de l'assassinat de 127 jeunes Kabyles. Alors, je vais ajouter de l'eau à votre moulin. Moi aussi, j'ai le droit de donner mon avis dans ce plateau. Je vois si, Benhamoud, d'abord, Khdiri vient d'annoncer sa candidature officiellement, d'accord, à l'instant. Ceci étant dit, nous allons y arriver. Moi, je voudrais vous dire cette chose au sujet de la mazirité. M. Bouteflika a été beaucoup plus malin que les généraux putschistes qui ont fait le coup d'État. Infiniment plus intelligent. Il a utilisé deux choses. Il a utilisé l'islamisme. Les Algériens, ah, vous voulez l'islamisme? Et on ne va pas laisser les gens vous donner de l'islamisme, on va vous le donner nous. Et il a demandé au Ali d'aller faire la prière le vendredi, sauf l'Aoul. Et il a demandé de fermer tous les bars. Il a dit, c'est une coquille vide, monsieur. Là, il n'y a eu ni véritable académie berbère, ni véritable uniformisation de la langue, ni véritable concertation entre les berbères. Au contraire, c'est le nord de l'Ibadaham al-Bal. Chaouia contre le Khbel, contre le Nimzab, contre le Chinawa, contre le Teregat. Donc ne nous racontez pas de salade, monsieur. Attendez. Allez-y. Comment voulez-vous que le président de la République, monsieur Bouteflika, incarne la nation quand il vient à Tizi Ouzou nous dire, et les images sont là sur YouTube, vous pouvez les consulter. Vous êtes des nains. En disant, vous êtes des ballons de baudruche, je vais vous dégonfler comme des ballons de baudruche. Il dit, wahda. Il va à Béjaïa, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Belhamoud? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes, quand je vous voyais de loin, je pensais que vous étiez des géants, en m'approchant de vous, vous êtes des nains. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un nain au sommet de nos montagnes ne fera jamais de lui un grand homme. Hacha. Alors, moi, vite, rapidement, parce qu'on va passer au sujet. Le développement qui se fait à Béjaïa et à Tizi Ouzou. Jamais. Il est magnifique. On va laisser parler. Et je crois que, je ne dirais pas les Kabyles, les Amazirs. Il y a qui m'a dit qu'ils ont un nif ou un rujla. يقول لك نستعرف اللي ما يقولكش دار فيك الخير مي لايك على عند مني في القبائل اسمع يبو ميو يديروا كيما لوارنا ويروحوا لا ما جو دي جي فوا كوريكت شوف اسي يدير سي يدير مو جو دي لا فيكو با ريفليشير شوف يفو با دون ايموسيون شوف يفو با ريفليشير بار باسيون جامي بار سنتيمون جامي شوف بار براغماتيزم بغيت تبغي ولا ما تبغيش بوتفليقه رسم الامازيغيه ورسم علي اوكي اون اكسبت علي اون باس الوغ مسيو مقري nous dit qu'il a demandé à rencontrer le président, que le président a envoyé son frère pour négocier avec lui. Et il nous dit des choses. Hein. Il nous dit, dans la fameuse note qui a été révélée par le Khabar, dont il a dit, il n'a pas dit qu'elle n'était pas vraie, il a dit qu'il ne l'a pas envoyée. Ça veut dire qu'il a reconnu que cette note est belle. Voilà. Alors il dit des choses très graves, hein, que Saïd Bouteflika est mort de peur, qu'il demande juste un peu de temps pour gagner du temps la future transition, que Gaïd Salah était d'accord hein, pour le report des élections et le prolongement du mandat actuel. Ça veut dire une double violation de la Constitution. M. Gaïd Salah, dont M. Khdiri, qui vient d'annoncer sa candidature, nous dit... Ah, M. Gaïd Salah, vous qui n'accepterez jamais que la Constitution soit violée, alors que M. Gaïd Salah a assisté à deux violations de la Constitution, en 2008 et en 2016. Et donc,
il nous dit des choses, Monsieur Mokri, incroyables. Hein. Mais en plus de tout ça, et surtout, Monsieur Mokri, dont l'initiative s'est fracassée contre le mur, c'est une véritable humiliation. C'est-à-dire ceux qui lui ont demandé de faire la proposition pour ne pas avoir à la faire eux-mêmes, finalement, ils l'ont jeté à la poubelle, sa proposition. Ce qu'il ne nous dit pas, il ne nous dit pas « Ah, j'ai fait des propositions qui sont des violations de la Constitution ». Il dit, il est en train de dire « Non, non, il faut continuer, et d'ailleurs, c'est possible que nous nous présentions à la présidentielle ». Zohair Louis. Bon, déjà, j'ai un peu de mal à reprendre après cette litanie qu'on a entendue sur Bouteflika et ses supposées réalisations. Et je pense qu'il faudra quand même parler de son bilan, absolument parler de son bilan. Nous avons évoqué dans son bilan des morts, M. Ben Hammo, mais il y a bien d'autres choses à évoquer sur son bilan, et de là à penser qu'il puisse être candidat, c'est encore une humiliation de plus et un scandale de plus dans cette Algérie. Cette Algérie pour laquelle, je ne vous le rappelle pas, je ne vous ferai pas ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts pour qu'elle survive, pour qu'elle existe et qu'elle survive. Concernant Mokri, je suis évidemment, je ne dirais pas étonné, mais scandalisé par les propos, en tout cas les éléments qui sont contenus dans cette note, effectivement, dont il ne dément pas le fond, mais simplement de ne pas l'avoir envoyé à son conseil consultatif. Il y a des choses graves. Très grave dans cette note, très très grave, de la part d'un homme politique, d'un responsable politique, qui n'est pas de l'opposition, parce qu'il faut arrêter d'appeler le MSP un parti d'opposition, c'est l'opposition du régime, mais ce n'est pas l'opposition au régime. Oui. Il y a une grosse différence. Mais c'est très grave d'aller discuter avec le frère du président pour prolonger le mandat de ce même président. Vous vous rendez compte ? Aller discuter avec le frère... Pour reporter les élections. Oui, j'y arrive. Oui. Aller discuter avec le frère du président... Qui a un statut de conseiller, pas plus. À quel titre ? Tout à fait. À quel titre ? Conseiller à l'informatique. Absolument, voilà. Compte tenu de ses compétences en informatique. Mais à quel titre ? Pourquoi ? Pas pour sauver l'Algérie. Pas pour instaurer l'état de droit. Non. Comploter pour... violer la Constitution et la légalité pour prolonger le mandat de Bouteflika. Alors il nous dit, nous sommes pour la fin du bouteflikisme, mais avec le maintien de Bouteflika. Ah oui, ben, c'est une belle trouvaille. Et deuxième gravité, et là il faut que le chef d'état-major réagisse, comme il a eu cette réaction prompte à réagir sur les propos de Alir Diri, là il faut qu'il réagisse. Parce qu'il a dit qu'il est d'accord. Gaïd Salah était d'accord. Absolument. Ouais. On nous dit que... Il a impliqué. Il a acquiescé à la violation de la Constitution. De deux dispositions. Alors, il faudrait qu'il se prononce et qu'il nous dise absolument... Je vais vous donner la parole, monsieur. Vous allez y arriver. Oui. Comment ça se fait que son nom soit cité par Saïd Bouteflika, par Mokri, je ne sais pas. Dans un document interne. Hein. Dans un document interne, effectivement. Et qu'il nous dise... ce qu'il en pense, puisque monsieur le chef d'état-major, Gaït Salah, a occupé le terrain au moins à trois reprises pour nous parler du même sujet concernant Alir Diri. Alors que, qu'y avait-il dans ce sujet ? Qu'y avait-il pour mobiliser à ce point l'état-major de l'ANP ? À ce point. Mais une partie de la presse. Et c'est très grave. Ces propos sont très graves. Et donc, monsieur Mokri, pour finir. N'est pas digne de représenter l'opposition, je le dis en toute simplicité. Il n'est pas digne de comploter avec le frère du président pour maintenir ce dernier à la tête de la présidence de la République, sachant par ailleurs, et c'est une circonstance aggravante, sachant par ailleurs que ce n'est pas lui qui gouverne, ce n'est pas lui qui use des prérogatives constitutionnelles qui sont... celle du président de la République. Et donc, il est, M. Mokri nous dit, quelque part, qu'il est pour le maintien du statu quo avec cette oligarchie qui est là pour renforcer l'autoritarisme et avec un président complètement absent. D'accord, M. Zohair, moi je veux juste vous rappeler
que le MSP était votre partenaire à Mazafran 1 et Mazafran 2. Absolument, donc, il a trahi l'opposition. Malich, donc moi j'ai juste à vous rappeler ça. Oui. Mais moi ce que je lui dis sur la lettre de M. Mokhri, d'abord nous avons, Parti le Karama n'a pas adhéré à cette initiative de Mokhri. Hein, d'accord, nous n'avons pas été ni contactés, ils savent notre vision sur ce point-là. Mais je dirais que, connaissant M. Saïd Bouteflika, qui est conseiller, comme l'a dit M. Idir, conseiller, simplement conseiller à la présidence du président, chargé de l'informatique. Du président de la République, et connaissant son tempérament, qui est un monsieur très sage, qui ne parle pas beaucoup et qui ne donne pas ses secrets. Je ne pense pas qu'il est parti dire à M. Mokhri qu'il avait peur pour sa sécurité, pour la sécurité pourquoi du président. Pourquoi il n'a pas attaqué en justice que, comment, parce que vous nous dites que la justice vous savez, moi, je est vous dire, une vraie justice. Saïd Bouteflika, pour votre gouvernance, il tourne tout seul à Alger, tout le monde le sait. Il va dans les quartiers d'Alger tout seul. Avec la garde présidentielle et la voiture de la présidente de la République. C'est-à-dire, quand on nous dit, sincèrement, les gens qui le voient, il vient tout seul. Bon, si à la garde, elle est très loin, d'ailleurs, il a le droit, parce qu'il est conseiller pourquoi du président. Il est conseiller du président, non, c'est tout à fait normal. Il est non, le frère du président, c'est tout à fait normal. Smahli. Donc, moi, je dirais que ça, ce n'est pas des choses que le Saïd Bouteflika l'a dit. Je ne pense pas. D'ailleurs, Hna. Vous êtes été non, d'accord non, moi, je dirais d'ailleurs, Hna, ouais, il faudrait que tout le monde le sache. L'Algérie était un pays où Mendoroch allait les présenter à Hna. Gars, les présidents de l'IFATU, moi je n'ai jamais vu un président attaqué en justice, ou l'a tué, ou l'a haja. Nous avons des traditions, nous avons des convenances. Oui, il arrive de temps en temps qu'on les tue, comme M. Bouriaf. On l'assassine. Kennedy a été bien assassiné aux États-Unis, donc ça c'est des choses de la vie. Il y a des présidents qu'on met en prison, comme Ben Bella. Oui, c'est tout ça. Il y a des présidents qu'on fait démissionner, comme Chedli. Moi j'ai toujours dit que nous sommes en train de construire. Je dirais plus que ça. Si Saïd Bouteflika devait se confier, il y a d'autres gens plus loyaux qui sont très proches du président de la République, qui sont responsables en exercice, ou là qui sont sortis et qui sont loyaux. On va accélérer un peu parce qu'il faut qu'on parle. Moi, je dirais juste une chose. Oui, allez-y, rapidement. Moi, je dirais juste une chose que c'est dommage pour cette opposition que tout est tombé dans l'eau. Mais quelle opposition, M. Benhamou? Non, moi, quand vous dites opposition, moi, non, je suis un peu choqué. Moi, je dirais, non, elle existe, l'opposition. Quelle opposition? D'ailleurs, il y a la Constitution. Là, le peu d'opposition qui existe, on les enferme dans les hôtels, on ramène des camions d'ordures pour les empêcher de sortir dans la rue. Moi, je vais vous on dire, les tabasse. Cette fois-ci, ces élections le vont peu, être, hein, le peu, vont être peu, des élections merveilleuses. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des candidats comme Lerdili qui va être candidat, Mokhri va être candidat, Benflis va être candidat. Oh, justement, c'est pour ça qu'on doit faire vite et dire au nord rapidement. Je crois qu'ils ont pratiquement tout dit sur M. Mokhri. M. Benhamou, oui. M. Mokhri, la CNLDT, Mazafran 1 et 2, avait un code de conduite. Oui. Il n'y aurait aucune initiative d'ordre individuel pour aller contacter le pouvoir. Or, M. Mokhri s'est mis en dehors de ce critère de loyauté envers ses camarades de Zeralda. Et c'est un récidiviste avec cette histoire du frère du président. Quelle légitimité a M. Saïd Bouteflika de manière formelle, institutionnelle? Ça confirme exactement que tout le pouvoir est exercé de manière supra-constitutionnelle et supra-institutionnelle. Et c'est de ça que l'on doit parler. C'est couper tous ces liens organiques entre l'État et le FLN, entre la police politique et le FLN, entre l'État et pourquoi, le RND. Pourquoi, monsieur Edith? Il faut couper. Pourquoi vous voulez que... Smahli, nous sommes en train laissez-moi de terminer, monsieur Bourg. Oui, oui, bien vous sûr. Vous parlez d'État de droit. L'État de droit, il n'y a pas plus beau que l'État de droit. Oui. Mais vous pensez qu'on est en train de construire un État de droit? C'est un État de non-droit. C'est un pouvoir qui se restructure de manière autoritaire, qui devient liberticide. Et tenez-vous bien. Moi, je vous le dis en présence de M. Louis, je suis sûr que si on ne prend pas en compte les besoins de la jeunesse algérienne, capter sa demande sociale, sa demande de loisirs, sa demande de voyage, sa demande de liberté, aucune force, je dis bien aucune force, ne pourra être le réceptacle des violences à venir. Et vous en porterez, vous et les gens qui soutiennent ce régime, l'entière responsabilité. Monsieur Idir, juste un petit mot. Là, mais rapidement, Souyak, quand le président de la République, Macron, était parti rencontrer les maires, oui. Une personne a dit, pourquoi tous ces gendarmes pour sécuriser le président Alèche, vous savez, le fitna ou alam, monsieur. On demande des Nous avons peur.
avant tout. Ne nous faites pas dire la sécurité. Ne nous faites pas dire ce que l'on n'a pas dit. La sécurité du pays. La sécurité du pays, elle vaut très cher. Pour tout l'ordre du monde. Alors, si vous voulez qu'on parle du dernier sujet, M. Benhamo, qui est très important. La convocation du corps électoral par M. Bouteflika, nous dit pas, on nous dit que c'est lui qui a convoqué le corps électoral. Et donc, il semble que l'option du cinquième mandat ne soit plus très sûre, au point où on est en train de parler en ce moment même, dans certains salons d'Alger, d'un Saïd Bouteflika qui pourrait se décider, parce que s'il ne se présente pas, si le cinquième mandat ne passe pas, le clan présidentiel et ses clients, comme vous-même par exemple, ils sont très mal. Ils vont se retrouver au milieu du guet. Ça risque d'être très cher. Parce que vos adversaires qui sont de l'autre côté vous attendent avec des piles de dossiers pour vous traîner dans la boue, pour vous jeter en pâture à la foule. Donc, mais bon, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Non. Alors, monsieur, comment il s'appelle ? El Irderi, général-major à la retraite, faut-il le rappeler. D'accord. Se porte candidat à la présidentielle. Il a été violemment interpellé par Gaït Salah. On ne sait plus si c'est vrai ou s'ils sont en train de nous jouer quelque chose. Au point où certains sont déjà en train de se demander si ce n'est pas l'inverse, si ce n'est pas M. Bouteflika qui va servir de lièvre pour faire élire El Irderi. Hein? Moi, je vois très bien d'ici la scène. Hein? On met cinquième mandat à Bouteflika, j'ai beaucoup quel comité de soutien dans le Tabal Kimak, et El Irderi va devenir le super-héros, le jeune général-major beau gosse, il va passer comme une lettre à la poste. C'est peut-être que je suis en train de m'imaginer des choses, mais on ne sait jamais. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette convocation du corps électoral, de cette arrivée brutale de plusieurs lièvres sur la scène, sachant, et j'aurais fini, sachant que tous les Algériens, contrairement à ce que vous dites, M. Benhamo, tous les Algériens, sauf ceux qui sont de bonne foi ou de mauvaise volonté, savent que jamais ce président ne sera élu par le peuple algérien, mais désigné par ceux, les faiseurs de rois. Et je vous laisse répondre. Vous avez tort de dire ça, allez-y. Parce que pour la simple et unique raison que tous ceux qui ont des dossiers qui peuvent passer au Conseil constitutionnel, peuvent être candidats à la présidence. Moi, je dirais que M. Dili peut être candidat, s'il présente son dossier, et M. Bouteflika aussi pourrait être candidat. Maintenant, vous avez parlé, entre guillemets, du frère du président. Moi, je crois que le frère du président est un Algérien, comme tous les Algériens, c'est un universitaire, et si jamais demain il présente son dossier, où est le problème ? Donc, chouf, à Cuba, aux États-Unis, à mettre soi-disant la démocratie, où un président a laissé place à son fils, mais même pas à son frère. Non, donc, allez, on ne parle pas de ça. Qui dit le Jazeïr ou qui dit pour Bouteflika, non. Allez, Zoé Ruiz, on est obligé de faire très vite, on n'a plus de temps. Zoé Ruiz, moins. J'ai cru que vous alliez nous citer l'exemple de la Corée du Nord, probablement qui est un exemple pour vous et ceux que vous défendez. Bon, la convocation du corps électoral, d'abord, c'est la fin de cette récréation qu'a occupée Maqré, en voulant, avec son initiative, prolonger le mandat de Bouteflika. Et donc, ça remet un peu les pendules à l'heure. Maintenant, il faut regarder, nous sommes quand même à moins de 3 mois de ce scrutin. Oui. Comment on peut penser que les conditions sont réunies pour avoir un scrutin libre, transparent et honnête. Nous n'y sommes pas. Ce régime a refusé toutes les propositions de l'opposition, une instance d'organisation et de surveillance des élections qui soit complètement indépendante de l'administration. Il l'a refusé. On ne peut pas penser que nous allons pouvoir organiser des élections libres et honnêtes. Mais on va regarder un peu quelles sont ces conditions. On va poursuivre. Maintenant, je pense que le deuxième combat, après avoir combattu, et nous faisons partie de ceux qui ont combattu ces initiatives qui sont sorties pour maintenir Abdelaziz Bouteflika en dehors de toute légalité, toute constitutionnalité. Maintenant, notre deuxième combat, c'est celui que nous menons depuis déjà plus d'un an, c'est barrer la route à un cinquième mandat. D'ailleurs, comment si on comment veut...
Comment? Bah, parce qu'il n'a pas le droit de se présenter. Cinquième mandat, la Constitution dit deux mandats. Juste pour terminer, parce qu'il reste plus de temps. Je crois que s'il y a une disposition constitutionnelle à mettre en œuvre, c'est l'article 102. Il n'y a pas d'autre choix. Mais allez-y devant le Conseil constitutionnel. Bien sûr. Devant le Conseil constitutionnel nommé par le président. Moi, je pense que la convocation du corps électoral signifie la fin de la récréation. Ça y est, c'est terminé, que les gens vont se mettre en place. Il y a d'autres dispositifs que le régime et le système et les clans du pouvoir vont terminer de mettre en place. Nous ne pouvons pas rester dans l'expectative des 44 jours qui restent pour que le président, parce que le président, tous les candidats doivent déposer leur candidature 45 jours avant. Donc il y a ce côté-là. Aussi, en troisième position, la flopée de candidats, ils vont pousser. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que ce système maîtrise l'agenda. Ils ont mis toute l'opposition, dont Mouattana, dont M. Benflis, dans des positions terriblement délicates. Ça ne risque pas de déraper? En l'occurrence, par rapport aux facteurs en présence. Nous n'espérons pas que cela dérape, mais quand on voit des personnalités politiques à travers les dirigeants de Mouattana, à travers M. Benflis, à travers pas mal de personnalités, qui sont tétanisés par rapport à l'élection, par rapport aux candidats du régime. Mais c'est ça le drame. Je peux dire une chose. Ah, mais alors, nous avons des institutions, nous avons l'administration. Vous plaisantez. Le ministère de l'Intérieur, M. Bedoui, que je salue, il l'a bien dit, nous sommes prêts à organiser des élections. Il ne s'agit pas de ça. En 2019, en février, qui c'est qui Monsieur Bedoui, qui vient de nous apporter maintenant, tout à l'heure, dans une déclaration qu'il a faite, que les haragas. Oui, 200. Sont la cause des réseaux sociaux. Sont le produit des réseaux sociaux. Les produits des réseaux sociaux et je ne sais pas quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous parlez de 200 morts de Haraga et on ne parle pas de 4000 morts d'accidents de circulation. Allez, l'émission est terminée. Merci Mohamed Ben Hammou, merci Idir Ounouren, merci Zohair Ruiz. J'espère que nous avons monté le niveau. Oui. Moi, je suis satisfait. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sabahouna. Ah, je sais que vous avez...